Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette première partie du 10e épisode du Volgul Coup de cœur sur le jeu Insanely Twist Shadow Planet. Oui, le nom est assez long, je sais. Je vais vous montrer ce jeu qui est un vulgairement nommé Metro, comme Metroidvania. Donc Metroidvania, ça veut dire que c'est comme un peu comme Super Metroid. Et Castlevania, ça veut dire vous avez des objets à ramasser et pour pouvoir revenir à certains endroits, il faut que vous ayez un pouvoir spécial. Donc on va aller découvrir ça de suite. Donc on va faire jouer, donc on va faire la campagne parce qu'il y a des versions, il y avait des modes coop, mais les modes coop c'est des petites voilà, des petits mini-jeux on va dire. On va faire la campagne. Bon, on va faire une nouvelle partie. J'ai déjà fait le jeu, donc je le connais. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute manière, continuez. Donc voilà, donc vous l'avez compris, hein, il y a une genre de matière noire qui ressemble étrangement à un virus qui s'est bah, qui a frappé une étoile qui a explosé en mille morceaux, hein, et après il s'est attaqué à la planète. Où est ce petit extraterrestre? Donc on va appuyer sur ce qu'il nous demande. Donc là on voit l'inventaire. Donc l'inventaire, hop. Voilà, on va équiper ce petit truc. RT. Okay, RT. Ça, c'est pour activer ceci. D'accord, ça, faut le déverrouiller. Ça aussi, c'est déverrouillé. Ah. On doit juste se poser ici pour en fait déverrouiller ça. Ok. Et apparemment, il y a une petite étincelle de l'étoile qui a réussi à partir, oula, et à venir s'écraser sur cette planète. Donc là, on a une carte, donc c'est comme dans, là on a, c'est comme dans les, comme dans Super Metroid, hein, des cartes pour voir où c'est qu'on peut aller. Ok. Vous voyez, il y a nos potes qui essayent de détruire les machins. J'ai l'impression que c'est pas par là. Ah oui, la petite étoile est là-haut. Petite étincelle plutôt. On va juste guider. Ok, donc. Enfin, apparemment, c'est vraiment par ici. Je me suis trompé de passage. C'était par ici. Hop. Il faut juste attendre que ça s'arrête. Je sais pas où c'est qu'il faut aller, si c'est en bas, en haut. On va aller
Alors, ça n'a pas l'air d'être en bas parce qu'il y a un peu de vent qui passe là. Ah ok, non, ça tue pas. D'accord, ça fait que souffler dessus. Très bien. Okay, donc là, il faut pas se tromper. Ah. Attention au vent. Ah. Est-ce qu'on peut remonter? Non. Va falloir refaire. Oula, oula, oula. Doucement, doucement. Donc là, il faut bien serrer. Voilà, nickel. Faut bien serrer. À droite. Et on remonte. Donc là, je pense qu'on va récupérer la petite étincelle. Donc ça, si je me souviens bien, c'est un petit checkpoint. Et donc là, je crois qu'on gagne le... On gagne pas. Ah oui, faut juste avancer, donc c'est le pouvoir. Donc là maintenant on a le pire. Donc là, hop. On va le mettre sur A. Ah oui, parce que quand on appuie sur une touche, ça permet justement... d'activer le machin. Je suis désolé, hop, c'est juste pour passer là, je réfléchissais un peu. Ok, donc là, checkpoint. Là, on a des potes qui viennent nous aider. Oula, oula. Vous voyez, hein, ça fait des dégâts. Heureusement, nous avons ça pour nous remettre de la vie. Ah, hop, là, je me suis fait toucher. Et même les checkpoints permettent de remettre de la vie. Je vais aller voir par là. Oula. Je crois que c'est plus tard. Je pense qu'il fallait que je suive l'autre. Il est ici. Oula. Hop, on tire, on tire, on tire, on tire. Non, ça revient, ça. D'accord, ça revient. Bon. En fait, c'était vraiment pas par là. Oula. Je crois que j'allais me faire aspirer par lui. Ici, à quoi? Il n'y a rien. Vous voyez, c'est très sombre. C'est très... c'est très... très méchant et tout. Hop. Donc là, on peut pas passer. Peut-être plus tard. Hop. Oula. Ah, apparemment, on récupère son bras. Son bras qui me permettra de... Donc là, je vais le mettre sur... sur B. Voilà, comme ça, quand je l'utiliserai, donc... Hop, vous voyez, maintenant, on peut prendre des cailloux. Ah, je voudrais attraper des cailloux. On peut les prendre? Non, on peut pas les prendre. Celui-là, non plus. Vous voyez, j'ai juste à appuyer sur RT pour, ou R2, hein, comme vous avez l'habitude, pour prendre les trucs. Mais apparemment, les gros cailloux, je ne peux pas. Donc, on va prendre, garder ceux-là. Ah, il y a un pote qui va m'aider. Hop, j'ai juste à le bouger, s'il te plaît. Bouge-le encore un peu. Voilà, nickel. Ensuite, on va aller voir par là. Oula, oula, oula. Oula, il y a du monde ici. On va faire attention. On va aller voir par ici. Voilà, pas qu'il crache ces trucs. Bon, ça va. Donc ça, c'est des trucs de vie. Donc là, j'ai pas encore besoin des petites armes. Allô? Pourquoi il veut plus le pousser? Pourquoi veut t'es pas passé? Parce que je pense qu'il faut prendre celui d'en bas, faire tomber lui. Voilà. Oula oula. Bim. Bim. Tiens, on va aller le balancer la balle dans lui. Ah non, on peut les frapper carrément. D'accord, très bien. Très bien. Ah bon, enlever ce gros caillou, on va le mettre là. Ça, on va le tirer par ici. Mais bien sûr, il va glisser. Allez, bouge. Plus vite. Très bien.
Heureusement, il y a checkpoint qui remet de la vie. Et donc là, on va s'enfuir. Tiens, on va aller voir par là. Alors là, voilà, quand ça indique qu'il y a de la brume, ça veut dire nous sommes à la limite du niveau. Tiens, on va aller voir la map. Des coins qu'on n'a pas vus, mais ça c'est le tout début, donc c'est pas trop méchant. Par contre, on va hop, passer sur la... Alors, je vais quand même voir par là-bas s'il n'y a pas un truc. Non, il y a de la brume. Alors, on va enlever toutes ces petites tentacules pour passer. Allez, pardon, excusez-moi, je voudrais avancer. Merci. Donc là, je pense qu'il faut que je prenne ceci. Ok, donc là on a pris la petite étincelle qui a été qui est tombée. Et qui est retournée chez elle. Bizarrement. Donc là on est dans une nouvelle zone, hein, donc regardez, c'est géant, voilà. Je vais vous. Voilà. Donc ça c'est tout le niveau. Donc ça c'est où on était juste avant. Donc ça c'était la planète d'origine. Et là maintenant on est dans un autre... carrément une autre zone. Maintenant il faut que j'aille... donc là je suis ici. Donc il faut peut-être que j'aille par là, de l'autre côté. On va quand même aller voir de l'autre côté. Par contre on va prendre l'arme, on sait jamais. Hop, bon, ça c'est pour sauvegarder. Donc ok, ça c'était des méchants. Oula oula. Ah oui, ça il faut leur apporter à manger. Quand je dis à manger, c'est des petits cailloux. Voilà. Donc je me trompe toujours, je rappuie sur Select. Alors là, il doit y avoir un truc, parce que s'il y a un passage pour aller ici, c'est qu'il y a un truc caché ici. Mais vu que j'ai déjà fait le jeu, je me demande si... s'il n'y a pas quelque chose qui... si tout n'a pas été déjà débloqué, et donc c'est... Donc je suis obligé d'aller voir ailleurs. Alors par contre là, c'est la même chose que l'autre. Hop, on leur donne à manger des cailloux. Qu'ils aspirent, hop, du 1 et le dernier caillou, il y en a pile 3. Hein. Voilà, à manger et on passe. Deuxième checkpoint, par contre, lui, voilà, il faut se tenir loin, sinon il va vous tournoyer dessus, il va foncer dessus et vous tournoyer dessus. Voilà, ça aussi, ça vous fonce dessus. Donc voilà, au début, au niveau du tir, voilà, c'est pas très rapide, ça fait pas beaucoup de dégâts, puis voilà, petit à petit. Ah si, ça y est. Donc ça, c'est les artefacts. C'est les petits trucs qu'on doit découvrir pour faire le 100%. Qui vous raconte un peu, pas l'histoire, mais le faible scénario de ce jeu. Quand je dis faible, c'est que voilà, c'est juste, comme vous avez vu, des petits, genres de petits trucs sombres qui est venu attaquer la planète et qui est venu se tomber sur une planète. Hop, et là je crois qu'on, voilà, on améliore le tir, vous voyez. Donc là on l'améliore dès le début, que ça soit un peu plus rapide. Et que ça fasse légèrement un peu plus de dégâts. Et là, vous voyez, on a lui qui nous attire vers lui et qui nous mange si on approche trop de sa vilaine bouche. Hop, très bien. Tac. Et en fait, il mange tout ce qui se passe, tout qui passe devant lui, quoi. Tout ce qui est
tout ce qui est mobile. Vous voyez là on peut les détruire rapidement. Sauf s'ils repoussent. Non je crois pas qu'ils repoussent là ici. Je suis pas sûr. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai fait celui-ci, donc là on va aller à la suite. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Là, il y a un truc qui nous attend. Il a l'air d'être un boss, mais il est encore endormi. Donc ça, je crois que c'est plus tard. Ça, c'est plus tard. On va aller voir dans le truc. Ah, je vais le mettre sur X. Lui, sur X. Ah, attends. Des, hop, voilà, X. Ça, c'est pour analyser. Ah oui, c'est plus tard. C'est un pouvoir qu'on aura plus tard, donc je vais prendre... Appuyer sur A, c'est sur X, et après descend sur A. C'est pas sur le même joystick et c'est un peu embêtant. Hop, on va prendre le bras pour virer tout ça. Donc là, il y a le boss ici au milieu et après il y a tout le reste. Bon, c'est pas grave, on y va. Enfin, je rappuie chaque fois sur Select alors qu'il faut pas appuyer sur Select, il faut appuyer sur B. Et d'habitude, on appuie sur Select, ça enlève la carte et tout. Ok, là il y a une protection. Donc, je vais prendre ça. C'est l'amélioration de la protection. Et oui, on peut améliorer notre protection pour avoir plus de vie. Pour rester plus longtemps en vie. Ok. C'est par là. Hop. Donc là, je pense qu'il faut enlever ceci. Le mettre de côté. Il ne faudrait pas qu'il nous tombe dessus, sinon on meurt. Donc là voilà, on change de forme et on gagne un peu plus de puissance. Alors là par contre, ah non, d'accord, faut le remettre sinon on peut plus sortir. Bonjour, je voudrais sortir. Non, non, vous ne sortez pas. Allez, par contre, on a du mal à porter les trucs lourds. Allez. Je pensais qu'il tiendrait si je le pose là. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, passe. Passe. Allez, un peu plus. Non. Si on faisait comme ça. Attendez. Je vais trouver. On va y arriver. Ça va passer. Voilà. C'est un peu difficile à passer, surtout dans un endroit aussi étroit. Ok, paf. Ici. Ok, là on peut pas, y aller. On va aller voir par en bas. Mince, j'appuie toujours sur Select au lieu d'appuyer sur B. Oula, oula. Un petit checkpoint. Ok, on va aller voir. Par ici en bas, il y a apparemment un passage. Ok. Des trucs qui nous regardent. Ah oui, c'est les petites chauves-souris qui vous foncent dessus. Heureusement, ici il y a de la vie, on récupère. Ici il y a quoi? Un autre artefact. Donc ça change rien les artefacts, hein. C'est juste pour le 100%. Je le prends parce que voilà, il est sur notre route, donc on le prend. Là voilà, les yeux qui vous regardent en fait, c'est les chauves-souris qui vont vous fausser dessus. Hop, on va prendre ceci, on va attendre qu'il le mange. Vas-y, mange. On va aller voir la suite. Voilà, faut juste les taper. Et là, on va prendre un bout de caillou pour donner à l'autre qu'on voyait tout à l'heure. Hop, pour pouvoir prendre le raccourci au cas où. Alors, eux, ils sont costauds parce qu'ils ont des carapaces devant, il faut les toucher. À l'arrière, ok, nous avons un petit truc ici à récupérer. Donc là, on va essayer de les esquiver. Pas de conflit, pas de combat. Ok, ça doit être un nouveau truc. D'accord, ça fait tomber des morceaux de cailloux. Là, on a les chauves-souris.
Je regardais où je suis par rapport à la carte. Ok, je suis ici. Mince, habitude encore. Ça a l'air d'être des broyeurs ici. Ça a l'air d'être des broyeurs de cailloux. On va aller voir par là. Oula. On aurait mieux fait de s'abstenir de pas aller par là. Non, non, non. Voilà. Bon, première mort. Heureusement. Il y avait un checkpoint juste avant. Donc vous voyez, on peut mourir dans le jeu. Pas de... Il n'y a pas de problème. Et malheureusement, nous voilà à la fin de cette première partie de ce jeu Insanity Twisted Shadow. Donc on va bien sûr faire la suite. On va avancer petit à petit dans les niveaux, hein, dans la grande zone. Hein. C'est même pas, je peux même pas dire niveau, parce que c'est une grande zone. C'est une grande carte. Donc dans cette partie du jeu. Hein. Donc voilà. Donc voilà, on va savoir. Je pense qu'on va savoir ce qui va se passer. La suite, hein, il va s'en prendre, ben, je pense, à la grande chose qui a provoqué tout ça, je pense. Hein. Ben, on va le voir. Hein. Bon, moi, je le sais déjà, mais avec vous, avec vous, on va le voir. On va voir si c'est, ça va se passer comme ça. Ça, pour ma part, j'ai déjà fait, je l'ai fait en 100%, mais là, on le fait en mode normal, comme si je découvrais le jeu, même si je le connais déjà. Mais il y a des petits points que je me souviens plus. Donc voilà, donc ben je vous remercie de m'avoir suivi pour cette partie. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine et je vous dis salut à tous.